uyu mugoroba muri uyu mugoroba wo ku itariki ya 28 Gashyantare mwaka 2015 uyu ni umugoroba udasanzwe hano I Bruxelles mu Bubiligi ariko ukaba ari umugoroba ugiye guhabwa gutangwaho ishimwe igikombe ishimwe ryitiriwe Madame Victoire Ingabire Umuhoza kikaba ari igikorwa n'umuhango wateguwe n'ishyirahamwe ry'abategarugori riharanira amajyambere n'amahoro nkabagira ngo rero mbaze bano badamu bari hano icyabazanye muri uyu mugoroba icyo mwitabiriye muri uyu mugoroba twaje kwizihiza umugore w'intwari Victoire Ingabire kubera ubutwari bwe ni ngombwa ko tumukorera igitaramo nk'iki ngiki barimo kuvuga ko uko mbigaragara ngo ni ukugira ngo mutange ishimwe igihembo cyamwitiriwe kuri icyo gihembo mu kimwitirira icyo gihembo turakimwitirira kubera ko yabaye umugore w'intangarugero tukaba twarashyizeho icyo gihembo kugira ngo uwo mugore atazibagirana mu mateka y'abanyarwanda ye nk'uko rero mubyumvise nibyo koko abantu barimo kuza ari benshi ndabona umugabo wa Ingabire Victoria yarahari ndabona abashyitsi abadamu abantu baturutse imihanda yose baje kugira ngo bakurikire uyu muhango wo gutanga igikombe wo gutanga ishimwe ryitiriwe Madame Victoire Ingabire iryo shimwe ngo rikaba rihabwa abantu nabo bagaragaje ibikorwa bisa n'ibya Madame Victoire Ingabire ndetse ahubwo ndabona hano hakurya yanjye ndabona hari n'abantu baturutse muri Espagne ndabona barimo gukomeza kuza ari benshi rwose kugira ngo baze muri uyu muhango umuhango ugiye kuba ku nshuro ya 4 tukaba turi rero I Bruxelles mu Bubiligi muri commune ya Woluwe Saint Lambert turakomeza tubagezeho uko iyi mihango uyu muhango uri buze gukurikirana kuko hari buze no gutangwamo nyine icyo gihembo iryo shimwe ryitiriwe Madame Victoire Ingabire ndabona yewe na Luc Marshall mu benshi bazi wayoboye minuwari I Kigali mu Rwanda mu gihe hari intambara mu gihe byari bikomeye nawe nkabona nawe ari hano ndetse ari kumwe n'abandi bantu babiri babonye nabo ibihembo bari mu witwa Christopher n'umudamu ndagira ngo rero tubabaze nabo icyo batekereza kuko iyi ni inshuro ya 4 iki gikombe kigiye gutangwa uyu muhango ugiye gukorwa kuki bakomeza kuza gukurikira uyu muhango niki bakurikiye kuri Madame Victoire Ingabire nkagira ngo rero mbaze Luc Marshall oui bonsoir oui ça fait la 4e fois que le prix Victoire Ingabire va être décerné ce soir et chaque fois vous êtes là et pourquoi est-ce que vous êtes toujours ici avec avec les Rwandais autour de Madame Ingabire mais si je suis là c'est surtout pour Victoire elle-même. Bon, c'est le prix Victoire Ingabire, mais qui est vital pour l'avenir des Rwandais, pour l'avenir du pays. Et donc c'est un petit peu ça que personnellement je recherche et la raison pour laquelle je participe à ça, parce que j'estime que c'est aussi une manière de rappeler à pas mal de gens que malheureusement au Rwanda depuis de trop nombreuses années, on ne connaît plus la paix ni la liberté et que c'est une manière de manifester son souci pour un meilleur avenir pour le pays et ses habitants. Merci beaucoup. Et Luc Marshall, si on vous donnait encore une mission d'aller au Rwanda, si ce que vous avez vécu, si vous faites un retour en arrière, est-ce que vous feriez comme vous avez fait quand vous étiez au Rwanda en 94? Mais
Bon, évidemment, c'est avec des si, c'est assez difficile. Mais bon, on sait ce qui s'est passé. Mais je crois que dans le métier qui était le mien, un métier de militaire, ce qui m'avait motivé pour cette mission, c'était d'aller faire la paix. Généralement, les militaires vont faire la guerre, et là, il y avait une mission de paix. Malheureusement, cette mission de paix, elle s'est terminée d'une manière tragique et elle continue encore aujourd'hui. Mais n'empêche que la portée, l'importance, la valeur d'une mission pareille, ben, c'est vrai que je recommencerai, parce que si on peut obtenir la paix quelque part, rendre l'avenir d'une population plus positif, offrir une meilleure vie à l'ensemble des habitants d'un pays, ben, je crois qu'on ne peut pas hésiter. Luc Marchal, vous voyez cette population qui est ici, c'est souvent des réfugiés. Et est-ce que vous vous sentez trahi dans le métier que vous avez fait de militaire? Oui, en effet. Je crois que le terme est tout à fait approprié, parce que nous étions au Rwanda, enfin je parle de la mission des Nations Unies, nous étions au Rwanda pour guider les partis en présence vers, donc dans un processus de paix et vers un avenir meilleur. Et malheureusement, ce que j'ai dû constater quand j'étais sur place, c'est qu'une des deux parties, le FPR pour ne pas la nommer, ne jouait pas les règles du jeu et avait un agenda particulier qui était la prise du pouvoir par les armes, et n'avait même pas pris en option de participer à ce processus de paix en respectant des principes démocratiques. Merci.